Bonjour les gens, bonjour les autres, c'est votre surénois. Salut! Alors, on se retrouve aujourd'hui dans la carrière ferme abandon, dans notre épisode numéro 16, et vous allez voir dans l'accéléré la fin du ramassage de la paille en vrac. Allez, et ensuite, après l'accéléré, bien sûr, vous avez notre petite vidéo. Big up! Heureux les gens. Alors aujourd'hui on se retrouve dans notre épisode 16 de notre carrière ferme abandon. Et comme vous le savez, puisque vous avez dû regarder le dernier épisode, enfin je l'espère, nous allons ramasser nos bobettes de papaye. Donc on prend un seul et même tracteur pour éviter de bouffer trop de gasoil. Et on est parti avec notre petite benne qui logiquement peut faire autoload. Donc je pense que ce que je vais faire c'est mettre en autoload mais amener les balles avec le pic et elles se chargeront toutes seules. Je pense que je vais faire comme ça, ou non, je mets pas en autoload du tout, voilà, je le laisse comme ça et puis je charge moi-même, c'est aussi bien. Allez hop, on fait comme ça et puis après dans l'accéléré peut-être que je verrai si accéléré bien. Je verrai ça. Dans un premier temps, on va charger de la baballe de papaye à tout seul. Alors, parce qu'il m'a pris. Alors, on est parti. On charge de la babotte de papaye. Alors, un petit peu sur le côté comme ça. Un petit peu en hauteur, un petit peu sur le côté. Hop, 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 hop. Hop, hop. De s'appliquer, hein, ça changera un peu et de faire un truc propre. Bon, ça, je rigole, normalement chargement, bon, je suis pas le meilleur du monde, loin de là, loin de moi l'idée d'ailleurs d'être le meilleur du monde, hein. Mais je suis pas dans les plus mauvais non plus, je dirais, hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus mauvais que moi. J'en vois qui font des chargements des fois, je rigole tout seul. Oh non, je l'ai mis trop loin. Oh, je m'en doute. Premier fail. C'est pas grave. On aime bien. Vas-y, là, je suis parti pour tourner en rond parce qu'il n'y a pas une botte qui est dans le bon sens pour moi. Oh. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas.
Bon, alors qu'il est, ben, je n'ai toujours pas eu le retour de la vidéo précédente, hein, puisque vous le savez, hein, j'ai énormément d'avance, comme je vous l'ai expliqué. Je vous parlais pas depuis tout à l'heure, c'est pas bien. Et du coup, ben, je ne sais pas ce que je vous ai demandé dans la vidéo précédente. Il me semble hein, que c'est dans la vidéo précédente ou celle d'avant, je ne sais plus. Parce que là, je tombe pas à la suite, justement. Donc, je vous ai demandé ce que vous aimeriez comme carrière en multi sur FS22, le style de carrière, et en solo, pour pouvoir savoir ce que vous voulez qu'on fasse avec les enfants, ce que je vais faire avec mes enfants, hein, Sanzu, Vince, Obra, Julai, Jules, Monsieur Fred, etc., etc., et les autres. Ah, parce qu'il y a etc., mais il y a les autres aussi. Et ce que vous voulez que je fasse également en solo, j'aimerais savoir. Donc, si vous ne me l'avez pas dit dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo aussi. Voilà, voilà. Parce que c'est bien de savoir ce que les abonnés attendent de nous. Hein. Bien évidemment, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, prenez le temps d'aller voir les vidéos des gens qui ont présenté FS22, qui ont la chance d'avoir des détails. Ne regardez pas les fausses infos, essayez d'aller voir des gens qui ont des vraies infos. Alors moi, je suis certaines personnes qui ont des vraies infos, j'ai fait de la pub la dernière fois, je ne vais pas en refaire cette fois. Allez le voir, il a des vraies infos. Et il ne dit pas que des conneries. Voilà, je ne reciterai pas son nom, mais voilà, allez le voir. Ceux qui ne l'aimaient pas, bah, dites-vous que finalement, moi je l'aimais. Bah, c'est pas que je l'aimais pas avant, c'est que, comme j'ai expliqué, il parlait trop vite. Maintenant, donc je comprenais pas forcément tout. Donc c'était pas une question d'aimer ou pas aimer. Mais voilà, maintenant, je vous dis, hein, chacun fait ce que bon lui semble, mais. Allez voir les vidéos de gens qui présentent FS22 et qui... Ah non, merde, deux fois. Oh putain, faut que j'aille les ramasser. Hein. Là, ça s'ouvre. C'est pour ça qu'en réalité, je préfère avoir les deux tracteurs. Parce que je saute dans l'autre tracteur, j'attache et ainsi de suite. Parce que là, sinon, faut atteler à chaque fois et c'est pénible. Essayer de faire ça sans faire de conneries cette fois. Vous avez bien compris ce que je vais faire. Qui plus est, celui-ci roule plus vite que l'autre. Donc j'ai dit on prend qu'un tracteur pour économiser le gasoil, mais finalement, en parlant de gasoil, voilà. On va en mettre un peu là. Allez, allez, pressons, pressons. Nous n'avons pas que ça à faire. Merci, jeune homme. Bon, on va donc. Vous savez pas, je vais charger, continuer à charger de mon côté.
Hein, je vous ferai un accéléré et on va parce que après j'aimerais qu'on non 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 je vous fais une vidéo complète de chargement de bottes de paille. Après tout c'est très bien le chargement de bottes de paille, ça vous voit faire, ça vous permet de me voir faire des fails. Donc du coup regardez-moi en train de faire des fails, amusez-vous, éclatez-vous, il n'y a pas de mal à se faire du bien comme on dit. Voilà. Hop, hop. C'est plus simple comme ça. Alors, ce que je vais faire tout de suite, par contre, c'est ça. Parce que sinon, je ne marcherai pas assez vite. Ah non, t'as pas le droit ma belle. T'aurais dû rester là. Allez, sois gentil. Merci. Faut que je vous parle les amis, faut que je vous parle. Ça va être... Je pense que je vais mettre de la musique sur cette vidéo, ce sera mieux. Hein. Je pense que là, ouais, à l'heure où vous la regardez, là ça fait déjà 11 minutes de vidéo. Je pense que je vais vous mettre de la zizik sur cette vidéo, ce sera beaucoup mieux. Parce que sinon vous allez vous ennuyer. Parce que là, je parle pas beaucoup depuis tout à l'heure. J'essaie de me concentrer à mettre cette saloperie de bottes de paille sur cette main. Et du coup, je ne vous parle pas beaucoup du fait que j'ai fait deux fails. Donc, je vais éviter que vous vous ennuyiez et je vais vous mettre de la zizik sur cette vidéo. Quoique maintenant que je perds le sans arrêt, je me demande si c'est réellement utile d'aller mettre de la musique sur cette vidéo. Donc je ne sais pas si je vous mettrai. Si, si, je vous mettrai de la musique en arrière-fond. En musique de fond, pardon, pas en arrière-fond. En musique de fond, je vous mettrai de la musique. Le surinois est en train de devenir berger. Non, non, vous inquiétez pas. J'ai bien bossé aujourd'hui. J'ai pris une bonne douche parce que je me suis pris des éclats de ferraille dans la tronche et tout, là, en disquant des trucs. Et du coup, c'est pas des éclats, c'est de la... des étincelles, vous savez. J'aurais eu un apprenti ou un cobra avec moi, j'aurais demandé de récupérer les étincelles avec un seau derrière moi. Mais bon, il n'y avait personne. Personne ne m'aime, personne ne devait m'aider, moi. Puis j'ai pas réellement de gens qui habitent à côté de chez moi, n'est-ce pas, Sanzo? Je plaisante bien sûr, sans oublier. Ah non, mais on veut pas, je rigole, je rigole. Est-ce qu'il est mon... Ah ben il est de l'autre côté quand même. Et des fois je me demande comment je réfléchis. Peut-être la fatigue les amis, peut-être la fatigue. Ne soyez pas inquiets. Il m'arrive parfois d'être fatigué. Je dors peu, mais il m'arrive parfois d'être fatigué. Ouais, je vous assure.
Allez, et concentrons-nous, mais tout en essayant de parler à nos abonnés afin que ceux-ci soient satisfaits de ce que nous leur proposons. Parce que si je leur propose que de la vidéo silence, ils ne seront pas satisfaits. Donc, je vais vous parler, les amis. Ce qui me semble normal et logique. Hop là. Et même en vous parlant, comme vous pouvez le constater, j'arrive tout de même à me concentrer un minimum afin de ne pas faire trop de conneries et plus gros de trucs dégueulasses. Donc, il n'y a pas de raison que je ne continue pas comme ça. Vas-y, gratte-toi le nez devant tout le monde, c'est pas grave. Tout le monde sait que tu te grattes le nez maintenant. Enfin, vous savez également que je ne me mets pas les doigts dans le nez. Hein. Ah là 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 là, que de conneries que je dis, que de conneries. Bon, voilà, allez. Hop. C'est juste là, hein. Je voudrais pas dire, mais tout de même. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Chercher celle-là, la boîte plutôt. J'aime bien faire du chargement. Alors ouais, c'est clair que j'ai tendance à me concentrer un peu, hein, donc je gobe les mouches quand je me concentre. Non, vous n'avez pas remarqué que j'ai gobé les mouches un peu en me concentrant. Donc je gobe légèrement les mouches quand je me concentre. Mais je ferme ma bouche, hein, c'est ça qui est malheureux. Et vous n'êtes pas habitué à m'entendre fermer ma bouche, hein, en fait, en réalité. C'est ça. Donc je ferme ma bouche, je me concentre, et j'essaie de faire un truc propre. Maintenant, voilà, vous le constatez par vous-même, hein, j'essaie de faire un truc propre. J'ai pas dit que j'y arrivais forcément. Après, chacun verra en fonction de ses capacités à charger un plateau, je dirais, s'il fait plus ou moins de conneries par rapport à moi. Hein. Mais je n'ai pas de doute sur le fait que énormément de gens fassent beaucoup mieux que moi. Hein. Mais je n'ai pas de doute non plus sur le fait que énormément de gens fassent beaucoup plus mal. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Hop, hop, allons, voilà. Oh putain, c'est pas grave. Je vais y aller quand même. Voilà. Donc, je mets ces deux bottes de paille sur le plateau, vous vous en doutez. Une fois que j'ai mis ces deux bottes sur le plateau, eh bien... vous le savez, hein, je vais aller décharger. Donc du coup... je finirai en accéléré le reste. Je mets les deux bottes et on va se quitter là-dessus. Voilà les amis. Bon, allez, hop. Je vous souhaite donc une excellente matinée, après-midi ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite avec votre surénoir. Big up!